Notre leçon d'aujourd'hui est le futur saint. Cette leçon dans notre livre est divisée en deux parties. Alors aujourd'hui, on va voir la première partie, à la page 118. Le futur saint. Le futur saint sert à exprimer des actions qui se déroulent dans l'avenir, c'est-à-dire au futur. Formation. Pour former le futur simple des verbes du premier et deuxième groupe, on garde le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons suivantes. AI avec je, AS avec tu, A avec il et elle, on avec nous, et avec vous, et ONT, on avec, il avec S et elle avec S. Exemple. On prend le verbe danser qui est un verbe du premier groupe. Avec je, danser, on garde l'infinitif et on ajoute la terminaison AI. Un autre exemple, grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Avec le pronom personnel nous, on garde l'infinitif grandir et on ajoute la terminaison on. On prend un autre exemple. Marcher, un verbe du premier groupe. Je marcherai, tu marcheras, il, elle marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils, elles marcheront. Finir, qui est un verbe du deuxième groupe. Je finirai, tu finiras, il, elle finira, nous finirons, vous finirez, ils, elles finiront. Pour exprimer une action future, on peut 1. Comme on a déjà vu, conjuguer le verbe au futur simple. Maintenant, il y a une deuxième méthode pour exprimer une action au futur. Alors 2. On peut utiliser le verbe aller suivi d'un verbe à l'infinitif. On appelle ce futur le futur proche. Exemple. Je vais faire mon devoir. V, c'est le verbe aller. Faire, c'est le verbe qui est à l'infinitif. Exercice d'entraînement. Livre, page 118. Je m'exerce. Plus le cahier d'activité 2, page 12, numéro 1.